Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Hop, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bonjour Bernadette, bonjour Speedy Vanessa. J'ai rêvé cette nuit que je réglais ta machine à coups de marteau, mais non! mais non, il faut pas! Bonjour, bonjour Mirabelle, bonjour Agnès, la recouvreuse est bien réglée. Ben, on va voir ça aujourd'hui, hein. Bonjour Audrey, bonjour Nini. Ah, encore là Nini. Donc finalement, c'est pas le bonjour, c'est pas le jour J. Comment allez-vous? Bonjour Marina, bonjour ses cotines. Est-ce qu'on a des messages de YouTube? Alors, je pense qu'il faut que je redémarre, il faut que je rafraîchisse la page. Je vais rafraîchir la page, mais du coup, et non pas encore. Je vais perdre le chat quelques minutes. J'espère que je vais recevoir à nouveau les messages. Bonjour Geneviève. Donc, ouais, j'ai des problèmes de chat. Hein, c'est compliqué. Bonjour Fabiola. C'est compliqué. Bonjour Home Sweet Home. Bon, finalement, ce petit chat, il est vraiment très utile parce que même moi, je n'arrive pas à voir tous les messages, mais il s'affiche bien ici. Donc, moi, je me fie sur ce petit tableau-là parce que je les ai pas. Je les ai pas. Content d'être là. Parfait. Parfait, parfait. Bon, ben, on va continuer la brassière, les brassières. On en a deux à faire, je fais les deux exactement les mêmes. Et en série, comme ça, c'est plus rapide de coudre tout en même temps. Donc là, je suis en train de faire tous les élastiques, faire la première couture d'élastique. Donc on a fait une emmanchure et un décolleté. Il me manque cette emmanchure-là. Et il faut faire la même chose sur l'autre. Chris passe sans lurk. Ok, pas de souci. À plus tard. Merci pour le lurk. Du coup, mais en fait, on va passer directement à la machine parce que on en est là. On en est à la couture des élastiques. On va y aller tout de suite. Hop, je vais. Ah, oh, bah, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Bonjour Véro. On va le laisser comme ça. Donc j'ai mon thé qui doit être bouillant parce que pareil, hein, j'étais à la bourre. J'avais oublié de faire mon thé. J'avais oublié. Bon, comment ça va? Est-ce que vous sentez le week-end approcher là? Est-ce que vous sentez qu'il approche? Nous, ça va être encore un week-end chargé. Ça va être encore un week-end chargé. Allez, on va se mettre par là. Donc je termine de mettre les élastiques ici. Et puis la surpiqûre, on essaiera de la faire à la recouvreuse. Je croise les doigts pour que ça marche bien. On re-réglera tout comme il faut. Je suis en zigzag, c'est bon. Je dois m'occuper de ma puce. Ah oui, bah oui, puisqu'il n'y a pas d'école, effectivement, forcément. Ah, Home Sweet Home, tu es déjà en week-end. Et je reviens après, ok. Et Caroline aussi, elle est en week-end. Et en vacances la semaine prochaine. Bonjour Céline, bonjour Simonette. Ah, il y en a qui sont déjà en vacances. Allez, je couds ça. Donc elle a essayé le t-shirt Raphaël hier soir. Et en fait, elle trouve que c'est un peu serré au niveau du coude. J'ai pas revérifié le patron. Mais il me semble bien que c'est assez évasé le patron du plantain. Il me semble que les manches, elles font un petit peu légèrement incurvées au niveau du coude. Elles sont un peu plus creuses. Je me demande si,
Je pense que c'est ce patron-là, je sais plus, j'ai décalqué tellement de patrons que je sais plus où j'en suis. Mais il me semble que c'était ce patron-là, donc c'est... Elle est un peu déçue. Elle se sent pas extrêmement bien dedans, quoi. Sinon, ailleurs, ça va, je trouve que l'emmanchure est pas assez basse. Ça fait des plis au niveau de l'aisselle. Mais voilà. Je pourrais en refaire un en faisant des modifications. Bonjour Triple P. Perso, samedi chargé et dimanche plus cool. Ouais, mais nous, je pense que bah, samedi, ça va être chargé. Enfin, on a le salon étudiant là. Bon, c'est l'après-midi, mais bon, on va voir plein de choses. Et dimanche, on a prévu de faire nos courses de Noël. Donc voilà, ça va être un peu chargé. Je pense que je vais pas trop faire de couture ce week-end, mais il faudra quand même que je prépare les futures coutures, les coutures de la semaine prochaine. Donc j'aimerais bien finir assez tôt les brassières pour qu'on puisse discuter de ce qu'on fait après. Pour essayer de voir, pour choisir les patrons et tout ça, j'aimerais bien qu'on fasse en live. Si c'est pas possible, si c'est trop dur. Avec la recouvreuse et tout. Tant pis, je me débrouillerai toute seule. Mais j'aimerais bien qu'on fasse en live. C'est toujours plus sympa de le faire en live, je trouve. Oui, les manches sont un peu évasées. Voilà, c'est bien ce que j'avais dans mes souvenirs. Bonjour Daniel. Le plantain n'est-il pas à manches courtes? En fait, on fait les manches à la longueur qu'on veut, mais le patron de base, il a manche longue. Après, on peut couper à l'endroit qu'on veut. Oups, ça. Week-end prochain, les vacances pour toi, Simonette. Ah, ça va passer vite, là. Je n'ai pas fini de voir la rediff d'hier. As-tu eu raison de la recouvreuse? Pas vraiment. Pas vraiment. Elle a fait des sauts de poing encore sur le vrai, sur le t-shirt. C'était pas joli joli. Donc là, on va retenter, mais en enlevant l'aiguille de gauche, puisqu'apparemment, ce serait que l'aiguille de gauche qui saute des poings. Donc si je supprime l'aiguille de gauche, a priori, il ne devrait plus y avoir de problème. J'espère très très fort. J'espère vraiment très très fort que ce sera le cas. Tu piques ton élastique sur la partie gauche parce que après je vais le replier. C'est un biais élastique. Je vais couper ce qu'il y a derrière et je vais le replier sur le devant comme ça et puis je vais piquer l'autre côté. Donc là, on va faire la jointure. Croisez les doigts, oui. Bonjour Sophie. Est-ce que c'est assez tendu? Oui.
Hop. Oh là là, j'arrête pas de cogner la caméra là. C'est pas possible. Donc, celui-là, il est terminé. Donc, je vais faire l'autre. Comme ça, je fais les deux en même temps. C'est plus rapide. J'ai des pinces qui sautent. Bonjour Fatima. Oh, on a un joli rayon de soleil là. On a de la lumière d'un coup. Vanessa, tu connais quelqu'un qui fait du tricot à la machine? Non, je suis désolée Caroline. Je connais pas du tout de personne qui fait du tricot à la machine. Je connais que des personnes qui tricotent avec des aiguilles à la main, quoi. De mon côté, les courses de Noël sont finies. Oh, c'est trop bien, t'as trop de chance. Me reste les couettes de Noël maison, c'est en cours. Ok. Bonjour Myriam. Cousette, ok. Il manque le S. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui connaissent des personnes qui font du tricot à la machine. Moi, j'avoue que non, pas du tout. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des groupes aussi. Hein. Faut juste savoir où les chercher. La personne qui devait t'apprendre, Caroline, elle peut pas t'aider. Tu ne trouves pas? Bernadette pense sur Facebook. Je sais pas si tu es sur Facebook, Caroline. Après, je sais que moi, les groupes Facebook, c'est compliqué. Hein. C'est tellement le bazar. C'est très, très mal organisé. Je trouve. Bon.
Est-ce que je vais réussir à coudre mon biais sans coudre sur le tissu? Je l'ai pas bien pris, je l'ai pas bien centré, du coup je suis un peu embêtée. Allez, là. J'ai fait mes courses cadeaux alimentaires au salon Saveur des plaisirs gourmands à l'espace Champeret. Ok. Mais sinon, avec un moteur de recherche, tu dois trouver, oui. Mais si la personne qui devait t'apprendre à te servir de la machine, elle pouvait t'aider, ce serait beaucoup plus simple. Je pense que c'est pas assez tendu. Je vais refaire une petite couture un peu plus. Non, elle ne sait pas trop. Elle n'est pas... Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Ça aurait été pratique, mais bon, si elle peut pas, elle peut pas, hein. Ah, c'est frustrant quand même, hein. D'avoir une machine prête à être utilisée, que ça, on ne sache pas trop bien la faire fonctionner. Bon, je vais tout mettre du même côté. Alors Myriam a vu des chaînes YouTube sur le sujet. C'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y en a. Après, faut savoir où chercher. Mais je pense en tapant sur Google le modèle de ta machine, tu devrais avoir quelques trucs qui doivent arriver. Dont une dont la dame est québécoise, mais je ne sais pas son nom. Ok. Il y a des tutos pour les machines. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a. J'en ai eu une il y a 40 ans. Ouais. Mais c'est surtout que ce serait plus simple si... Enfin, Caroline, c'est surtout toi qui vas pouvoir voir quel est le problème sur ta machine. Nous, de loin, on peut pas faire grand-chose d'autre. C'est compliqué, hein. En plus, on n'y connaît rien du tout. En machine à tricoter. Ah, Manon Kiki dit sûrement Hob Couture. Bonjour. Saint-Bernard, bonjour. Ah, Caroline, Bernadette demande c'est quoi le problème. Je crois que c'est parce qu'elle ça saute des... Il y a des aiguilles qui sautent aussi, comme sur ma recouvreuse. Il me semble que c'est ce qu'elle disait hier.
J'ai vu des tétions sur tuto, ça marche, mais moi ça ne marche pas. Bonjour. Bon, bonjour maman Kiki. Le problème, c'est le chariot qui reste bloqué en plein milieu, la laine s'enroulait dans les brosses du chariot. Elle est peut-être trop grosse, la laine. Alors, t'as essayé avec différentes laines, Caroline? Point droit.
C'est une laine fine 2,5. C'est une pour les grosses laines. Ah. Et il n'y a pas les aiguilles qui se changent pour changer de laine, pour changer l'épaisseur de la laine. J'y connais rien du tout en machine à tricoter. Allez, il reste la dernière en manchure. Est-ce que j'ai fait dans mon sens? J'ai fait dans mon sens. Le petit doute qui survient quand on a quasiment terminé toutes les coutures. Est-ce que j'ai bien cousu l'élastique du bon côté? Le doute qu'on aime bien. La petite question qu'on se pose normalement avant de coudre. Oula, il est un peu parti là mon tissu. Il faudrait réussir à tourner là. Voilà. Internet, tu tapes LK150 et une personne te montre le départ. Bonjour Peste et Choléra, comment ça va? Est-ce que tu t'y connais en machine à tricoter? Est-ce que tu t'y connais en machine à tricoter? Ça, c'est la question piège du jour. Moi non, mais j'adore regarder les vidéos de... C'est vrai? Ah. C'est Caroline Kane qui vient d'acheter une machine à tricoter et elle a des problèmes avec. Et donc si t'en as jamais utilisé, ça va être compliqué quoi.
Ah, Bernadette veut bien aider, mais il faut se mettre en visio. Ben oui, c'est le plus simple, hein, parce que sans voir, c'est vraiment compliqué, hein, d'aider quelqu'un sans voir les choses exactement. Passer. Allez, on recoupe. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite pince? Voilà. Allez, ça c'est fait. C'est ma tournée, allez, venez, on boit un coup là, tant que le thé est encore chaud. Ouh, beaucoup trop chaud, mais à combien je l'ai mis? C'est pas possible, à combien je l'ai mis l'eau? Ça fait 45 minutes, c'est bouillant. J'ai mis tous les élastiques, donc là il va falloir découper la marge de tissu qui dépasse de la couture là. Donc j'utilise mes ciseaux. Ces ciseaux là je les aime bien parce qu'ils sont longs comparés aux autres, comparés à ceux-là qui sont tout petits. Ceux-là ils sont longs, ils sont bien. Je n'utilise toujours pas de ciseaux pélican, c'est ça? Oui, les ciseaux pélican. Parce qu'ils sont trop durs, les miens. Il faudrait que j'en achète des nouveaux pour voir si c'est vraiment à cause de mes ciseaux, en fait. C'est juste ceux-là qui sont trop durs, trop serrés.
Je suis en train de regarder une Anglaise qui démarre avec sa machine. Ah! En train de faire une peluche Totoro. Oh, trop bien! C'est marrant à faire. Alors moi, j'aime pas du tout coudre les peluches. C'est pas du tout mon... Mais j'adore. J'adore voir les autres faire. Ah, j'aime vraiment pas faire les peluches, hein. Je sais pas pourquoi. Je préfère faire des vêtements. Tu as un patron particulier ou tu le fais au feeling, peste? C'est du régal, mais à chaque fois j'oublie de mettre un masque. Ah, j'en peux plus de la poussière. Aïe, aïe, aïe. Effectivement. Oui, une streameuse vient de sortir un patron à prix libre. Ok. J'irai voir parce que c'est qui? Parce qu'une peluche Totoro, c'est quand même hyper cool. Après, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus simple que de faire un chat ou... Mais encore, je suis pas sûre. Caroline, elle aime tout faire. Non, moi, les peluches, c'est pas mon truc. Les sacs, c'est dur aussi, hein. J'en ai fait, hein, mais... Bon, peut-être que... C'est la machine, ça joue aussi. Hein. Je cours de lièvre en même temps. Ben oui, mais sur ordinateur, on peut ouvrir plein d'onglets en même temps, donc on peut avoir plein de fenêtres. Ah, tisse lune, ok. Tisse lune, ok. J'avoue que la brodeuse, ça me motive grave à en faire. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que la brodeuse, de pouvoir broder tout ce qui est petit nez, les yeux et tout ça, c'est vrai que ça aide. Plutôt que d'avoir à le faire à la main, j'avoue que c'est pas mal. Carrément, bah ouais. Je comprends tout à fait. Bon, je n'ai pas eu de réponse à de l'endroit où tu habites. Ah, Caroline, il y a Bernadette qui te pose des questions dans le chat là. Pour t'aider, pour ta machine à tricoter. Après, si vous êtes sur un autre réseau, genre Instagram ou des trucs comme ça, vous pouvez vous échanger vos comptes. Comme ça sera plus simple en dehors des lives parce que une fois que le live est fini, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez vous retrouver. Après, il y a toujours la communauté. Sur la communauté, en plus, vous pouvez envoyer des photos et des vidéos.
L'an dernier, j'ai fait plein de chiens en appliqué 3D avec ma brodeuse. Pour mettre sur des vêtements appliqués directement sur les tissus ou juste pour faire comme des écussons. Parce que j'en ai vu plein qui faisaient ça, en fait, qui vendaient des appliqués. Donc elle mettait ça sur Twitch, hein, parce qu'elle mettait la caméra sur la brodeuse et c'est hyper satisfaisant à regarder la machine qui brode. J'en avais vu qui faisait ça. Appliquer sur un tissu, les oreilles bougent. Tout en Minky. Ah ok. Des appliqués au Minky, d'accord. Avec les oreilles qui bougent. Donc c'est des oreilles que tu as fait en 3D avant de les poudre sur un. Ou non, c'est sur du Minky que tu ferais ta broderie. La peste et choléra va vouloir faire des des broderies en 3D lui aussi là. Allez. La recette. Est-ce que je veux tout tester? Je sais pas si tu veux tout tester. C'est un motif du site Créatrice Broderie Machine. Ça y est. Alors j'ai dit qu'on allait tester la surpiqûre à la recouvreuse. Alors je vais vérifier que j'ai pas de fil qui déborde. Là j'en ai plein par exemple. Parce que sinon la recouvreuse elle va pas aimer du tout. Puis on va passer sur la recouvreuse, la réenfiler avec les bons fils, la bonne couleur sur les bonnes aiguilles. Refaire des tests avec les chutes de tissu. Refaire des tests avec des chutes de tissu. Et après on se lance, hein. Il va bien falloir y arriver un jour.
Les messages sont flous. Ah, Bernadette, le messenger de Caroline, c'est Caroline Rocher et c'est un poisson clown. Je sais pas trop. Après, sinon, franchement, sur ma commu, vous pouvez tout à fait discuter dans le cercle de tricot. Il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est privé. C'est pas un réseau social. Hop. Le deuxième, on va aussi enlever tous ces fils. En fait, Bernadette, je pense que c'est parce que c'est ta connexion qui doit être moins bonne si quand ça devient flou. Je pense que c'est ça. C'est des histoires de connexion. Ah non! Oh, j'ai fait un trou dans la doublure. Heureusement que c'est que la doublure. Hein. Ah là là! J'ai fait un trou! Si, vous pouvez faire des vidéos, Caroline. Vous pouvez même faire un meet-up. Vous pouvez faire un meet-up. Normalement, tout le monde peut le faire, pas que c'est pas que moi. Bon, je vais faire attention maintenant. Sérieux. Heureusement que c'est que la doublure. Je fais très attention maintenant, c'est dur. Je suis comme j'ai coupé le tissu là. Allez, est-ce que on est bon là? Est-ce que c'est bon pour... Ouais, allez, bon, on va passer à la recouvreuse. Oui, pas de souci, Caroline, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Ce qui est le plus pratique pour vous. Faut juste que vous réussissiez à vous retrouver. Alors, je vais installer la caméra sur la recouvreuse. Alors, par contre, on va pousser tout ça pour avoir un peu de place. Tac. Oups là. Alors ça, je vais le mettre là. Donc, reprenons cette machine. Où est ma boîte à aiguilles? Donc, on va enlever l'aiguille de gauche puisque, a priori, c'était tout le temps celle-là qui sautait des points.
Alors, sauf que là, on est sur du bleu, sur du blanc. Donc là, par contre, il va falloir que je mette du blanc partout. Je peux pas utiliser du beige, ça va pas être joli parce que là, je vais coudre sur l'élastique blanc. Donc, je vais changer toutes les couleurs. On va prendre que du blanc. Donc, je vous recule un peu pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. 1, 2. Tac. Et ah. Tac. Ensuite, on commence par celui-là. Speedy, je prépare le marteau. Non! Non, non. Je préfère encore essayer de trouver un réparateur. C'est pas une machine essentielle, hein, la recouvreuse. Donc, ça fait 6 mois que je ne l'avais pas utilisée. Au moins 6 mois. Donc bon, si elle peut être en réparation, si elle doit être en réparation pendant 6 mois quelque part, à la limite, et qu'elle remarche après correctement, peut-être que ce sera pas si mal. Bon, ben on va voir l'instant de vérité. Bon là du coup je vais faire mon test sur du tissu. Je vais pas le faire avec l'élastique. Alors, est-ce qu'il me restait de la place là sur mes chutes que j'avais d'hier? Ouais, je vais mettre là. Allez. Mais n'importe quoi. Je voulais jeter le fil par terre. J'ai jeté les ciseaux. N'importe quoi. Bon, ben c'est parti. Croisez les doigts pour moi. Ah, j'ai plus de tablette. Et coucou Steph, on y croit, oui. Allez, c'est parti.
Je fais toute la longueur parce que des fois, elle cousait bien pendant 10 cm et après, paf, elle sautait plein de points. Donc c'est un très long échantillon. Le verdict. A-t-on sauté des points? On n'a pas sauté de points. C'est magnifique, regardez. J'arrive tard et je partirai tôt. Ok, pas de soucis, Steph. Bon, bah, je crois que c'est le moment où bah, je teste sur les vrais trucs. Bah, j'ai enlevé l'aiguille de gauche, Steph. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste enlevé l'aiguille de gauche parce que c'était elle qui faisait que de sauter les points. Donc je l'ai supprimée. Et maintenant, bah, je vais tenter de coudre mes élastiques, surpiquer mes élastiques. Peut-être que je vais enlever ça. Comme c'est en rond. Bah, si ça solutionne tout, c'est sûr, c'est nickel. Parce que en fait, j'utilise toujours que deux aiguilles. Trois, je trouve que c'est trop lourd. Et les deux extérieurs, je trouve que ça fait trop large. Les deux comme ça, moi, ça me va en distance. Comme c'est une brosseur, tu peux profiter de la garantie et l'envoyer directement. Ah oui, ouais. C'est vrai que elle n'est pas si vieille. Je ne sais pas de combien elle est, la garantie. Parce que je l'ai acheté. Quand est-ce que je l'ai acheté? Début de l'année dernière, je pense. Si c'est 2 ans, ça passe. Alors, il va falloir apprendre à coudre droit. Et ça, c'est pas gagné. Mais c'est vraiment bien d'avoir le pied transparent quand même, parce qu'on voit vraiment exactement où est-ce qu'on coud. Alors ce que je testerai bien après... Ah non, ça a sauté des points. Il m'en a sauté, je crois. Ouais. Bon. Il n'y a pas de miracle, hein. Mais donc ce que je disais, c'est que je testerai bien avec un fil mousse sur le boucleur.
on arrive au bout. Non, mais comme il y a des petits fils un petit peu partout, là, ça se trouve, c'est à cause de ça. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir le résultat. Là, il y a un point qui a sauté ici. Encore un là. Il y a toujours des points qui sautent un peu n'importe où. Hein. Tu es sûr de ton enfilage? Oui, bah oui. J'ai suivi toutes les flèches et tout. Hein. Il y a aucun fil qui se croise. Tout va bien, mais il y a quand même des fils qui sautent, donc bah je vais croiser les doigts pour que ça ait pas trop de conséquences, quoi. C'est dommage parce que c'est beau, hein, c'est propre. Là, là, il y a eu un gros lâchage de points. On verra si ça tient. Il est peut-être plus simple de la rapporter chez un revendeur à proximité qui assure la SAV. Ouais. Et moi, ça veut dire Toulouse. Hein. Parce que moi je l'ai acheté sur internet et je crois qu'il y a une boutique à Toulouse dans le centre. Je sais pas où. Je sais pas s'il le reprendrait. Je sais pas du tout. Bernadette, toi tu penses au réglage, mais. Les réglages, ils sont le fil. Tant que ça, quand ça saute pas, la couture, elle est bien. Hein. Je reprends sur mon échantillon. Là, ma couture, elle est bien. Donc ça va pas être le réglage, la tension des fils, parce que les fils, ils sont bien. Quand j'ai acheté ma machine, on m'a dit problème. Des fils tout, on change les aiguilles et le fil, mais j'ai déjà tout changé hier. J'ai pas d'autres aiguilles et j'ai plus d'autres fils en fait. Là, je viens de le changer le fil. Puisque avant j'avais celui-ci, hier j'avais utilisé celui-ci, donc là j'ai changé de fil. C'est pas le même type de fil, c'est pas du tout les mêmes bobines, c'est une autre marque. Et les aiguilles, je les ai changées hier 50 fois. On verra combien de temps ça tient, écoutez. On verra. Pour la deuxième, je changerai de fil. Je mettrai un fil mousse en dessous sur le boucleur pour voir si ça change quelque chose.
Je dois vous laisser, malheureusement. Ben, bonne course, Caroline. Bon week-end. Tu veux pas essayer de faire une chaînette avec ton aiguille 1 uniquement, puis 2, puis 3. Alors 3, c'est... Je laisse tomber le 3. C'était tout le temps le gauche qui sautait. Et ceci dit, là, est-ce que c'est le fil gauche aussi? On va voir. Ah, je suis arrivée au bout là. Donc, est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'il y a des points qui ont sauté sur cette couture-ci? Oh oui, c'est moche, hein? C'est moche. Je suis déçue. Là, c'est bien. Ça a sauté ici. Ça a sauté ici. Entre les deux, c'est parfait. C'est très bien. Mais il y a des moments où ça saute. Là, ça a bien sauté. Il manque deux points. Deux points d'un coup. C'est très très énervant. Ouais, je vais voir, je vais voir. Mais je vais finir quand même mes brassières. Ça marche pas à 100%, c'est ça qui est énervant. C'est la tournée de moi tiré bas Marina. Ah, c'est la tournée de Marina. Je fais la deuxième emmanchure et puis on va aller prendre la tournée. Parce qu'après, je vais changer de fil pour voir avec le fil mousse. Après, c'est sûr que mon test, je l'ai fait sur du tissu. Là, je le fais sur de l'élastique. J'ai changé la pression du pied. Parce que sur le livret, il disait souvent que c'était la pression du pied qui posait problème quand on avait des points qui sautent. Donc j'ai changé la pression du pied. Parce que c'était nickel sur le jersey, mais pas sur l'élastique. Alors, résultat. Là, il y a un point sauté. Là, il y a un point sauté. Là, il y a carrément toute une ligne de sauté. Celui-là, c'est pire.
C'est pire ce que j'ai fait là. Je remets comme c'était avant. Bon, allez, on va aller boire un coup. Petite pause. Petite pause thé. On dirait moi quand j'utilise la recouvreuse. Ben oui, voilà. Il ne faudrait pas mettre ton pied en métal. Non, mais c'est vraiment pratique, hein, le pied transparent. Ça, je pense pas que ça ait à voir, hein. Ça n'a rien à voir à mon avis. Entre le plastique ou le métal, ça change rien. Le pied n'accroche pas du tout sur le tissu. C'est vraiment les aiguilles, enfin, qui n'attrapent pas le fil derrière. C'est... Et est-ce que c'est l'aiguille de gauche aussi tout le temps? Je crois que c'est tout le temps à gauche que ça saute. Donc il y a un problème à gauche, hein, toujours. C'est vraiment quand le boucleur il va au plus loin et la dernière aiguille elle a du mal à choper le fil. Non, le système qui vient en plus. De quoi tu parles, Bernadette? Bonjour Pascal, si en changeant un réglage, il y a du changement, tu es sur la bonne voie. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était pas le bon réglage parce que c'était pire. Mais... Bon, du coup, celui-là, je vais le défaire parce qu'il y a, trop une trop grande partie là qui a été qui a sauté. Donc, je vais le défaire vu que c'était pire que les autres. Où est mon début? C'est là. La recouvreuse n'aime pas la gauche. Tu as un système pour faire la déco sur deux faces. Oui, mais je l'ai pas installé le truc. Je l'ai pas installé le boucleur du dessus, je l'ai pas mis. Bon week-end Agnès, merci beaucoup. Passe un bon week-end. Bon, là, ça se chevauche ici. Il faut faire un peu d'humour, oui. Il restait que les surpiqûres à faire. Non, c'est pas vrai. Il y a encore l'élastique du dessous. Mais je veux au moins faire un truc propre sur celui-là. Après le deuxième, on verra. Je sais pas si la deuxième, du coup, je la fais à la recouvreuse. Peut-être que je vais la faire à la machine à coudre. C'est pour ça que ça fait 6 mois que
ma recouvreuse est à l'abandon. Je suis courageuse car je n'aime pas démonter. Ah mais je n'aime pas non plus, mais bon là, la pauvre, c'est pour ma fille. Ce serait pour moi, je m'embêterais même pas. J'aurais gardé mon truc à moitié cousu et voilà, j'en ai déjà un. je m'en suis déjà fait des trucs où bah, ça avait pas bien marché, bah, du coup c'était pas grave, hein, je l'ai pas refait. Mais là, c'est pour ma fille, donc je fais l'effort pour elle. Je le ferai pas pour moi. Est-ce que tes tensions de fil sont importantes par rapport à la tension du bout? Non, tout est sur 4. Tout est sur 4. Mais le fil, quand il est bien, hein. Avec des épingles à nourrice, tu lances une nouvelle mode. Non mais à la machine à coudre, sinon ça marche très très bien. En point zigzag, aucun problème. En 10 minutes, c'est fait. Allez, est-ce que là, je vais avoir ce qu'il faut pour tirer? Mais je sais même pas dans quel sens, si je suis dans le bon sens ou pas. Il faut peut-être partir de l'autre sens. Mais là, j'ai encore des fils. Mon mari me dit, ce serait du boulot pour moi. Ah. Non, ça c'est... Non, il faut pas que je coupe ça, c'est mon zigzag. Faut pas que je coupe le zigzag. J'ai failli faire une bêtise, là. La première couture, elle est très bien. Elle a pas besoin d'être... refaite. Là, il faut que je réussisse à libérer les fils pour pouvoir tirer dessus et tout défaire facilement. Est-ce que je vais y arriver? Moi, j'ai la Jeanne-homme au début très bien et maintenant j'ai le problème. Le problème que toi, je l'ai ramené pour qu'il regarde. J'en ai eu pour 100 euros et je l'ai récupéré, mais pas encore essayé. Oh non, mais 100 euros, ça fait cher la réparation d'une machine qui coûte. Enfin, voilà quoi. Et c'est moi aussi, au début, en fait, j'ai jamais eu ce problème-là. Mes premières coutures, ça marchait très bien. Et un jour, ça a sauté. Et depuis, j'arrive plus. Je n'arrive plus à avoir les points qui ne sautent pas. Allez, là, je vais pouvoir... Il faut que je trouve le fil de derrière, là. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Ça fait des nœuds.
Bon, je pense que c'est pas ce fil-là que je devrais tirer. C'est lequel alors? Pourquoi ça fait ça? C'est vraiment galère ces recouvreurs. Si j'avais su, tu vois, moi pareil. Hein. Tu as essayé de nettoyer sous la plaque des griffes. Souvent, il y a des peluches et ça fait sauter des points. Non, j'ai pas démonté. Je l'ai pas démonté la machine. Je crois pas. Après, je me rappelle plus si je l'ai. Mais il me semble pas. Hein. Il me semble que j'ai pas regardé. Après, c'est une recouvreuse, c'est pas une surjeteuse. Là, quand je l'ouvre juste sur le, à l'endroit où j'enfile, c'est propre. Hein. Il n'y a rien du tout. Mais bon, c'est vrai que sous les griffes, j'ai pas regardé. Étant donné qu'il n'y a pas de couteau, c'est beaucoup plus propre hein, de base. Si votre surjeteuse recouvreuse saute des points, c'est presque toujours à cause des aiguilles. N'utilisez jamais les aiguilles de votre machine à coudre. Non, j'ai acheté des aiguilles spécialement pour la recouvreuse. C'est des aiguilles recouvreuses. Et ça marche pas. Ah, je vais encore attendre. Alors, bah oui, écoute, Bernadette, franchement, si tu arrives à faire des choses sur ta machine à coudre, t'as pas besoin de recouvreuse. Hein. Vraiment. Vraiment. C'est... pour ça que j'ai toujours pas fait de vidéo sur ma recouvreuse sur ma chaîne YouTube. Parce que je suis pas convaincue. Hein. Je suis pas du tout convaincue. J'arrive pas à sortir ce fil là, il y a des nœuds partout. Bon ben je l'ai coupé. Mais les peluches, au fil du temps, les peluches s'y logent. J'ai eu le problème avec ma machine à... Oui, 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 machine à coudre, ouais. Mais il faudra que je regarde, j'essaierai de l'ouvrir. Ça y est, je crois que je l'ai là. Ça y est, je l'ai. Ça a été compliqué, hein. Voilà, c'est décousu. Ce sont des aiguilles de marque, ce sont des aiguilles... Ah, je laisse allumer en plus. Ce sont des Schmetz. Là, c'est du 80, mais j'ai acheté toutes les tailles en plus. Hein. J'ai acheté du 80, du 90, j'ai du 75 aussi. Bon, du coup, c'est où? C'est lequel que j'ai défait? C'est celui-là. Est-ce que vous croyez que si je mets la pression du pied dans l'autre sens par rapport à ce que j'ai fait, parce que par rapport à ce que j'ai fait, ça a fait encore pire. Si je tourne dans l'autre sens, est-ce que ça ira mieux? Je sais pas.
creuseurs vont déjà te dire de faire quelques manipulations pour voir si c'est un réel problème de la machine. Ouais. Ok. Je l'ai fait pour ma machine, je n'ai absolument rien payé, même pas les frais de transport. Ok. Ok, ok. Bon, je verrai ça la semaine prochaine, du coup. Période de Noël, évidemment. Tu l'avais en forte ou légère, la pression? Je l'avais en forte. Je l'avais appuyé encore plus. Et c'est, mais sur un bout d'échantillon. Bah, le problème, c'est que sur mon échantillon, ça avait bien marché. Hein. C'était bien. Mon échantillon, c'était bien. Alors, sinon, bah, je vais prendre un bout d'élastique et puis je vais le faire avec ça. Hein. Je vais le faire avec un bout d'élastique. Je vais sacrifier mon élastique. Quand j'ai plus de deux couches, je la mets plus légère. Mais c'est juste que sur le livret, en fait, il disait que s'il y a des points qui sautent, c'est qu'il n'y a pas assez de pression sur le pied, donc et qu'il faut tourner pour rajouter de la pression. Donc voilà, moi j'ai suivi ce que disait le livret. Donc je vais essayer. Allez, on y retourne sur la machine. Hop. Du coup, ça, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Donc, je remonte la pression de mon pied. J'ai fait qu'un seul tour. Est-ce que... F le livret, ouais, c'est ça. Est-ce que je le teste? Ouais, je vais le tester sur tissu plus élastique. Je vais prendre un petit bout d'élastique. Le problème, c'est qu'il faut quand même que je le fasse sur une longueur suffisamment longue, parce que des fois, ça marche très bien sur 10 cm. C'est ce que j'avais comme problème avec mes autres trucs, là. C'est que sur 10 cm, ça allait, donc je pensais que c'était bon. Et après, quand je passais sur le vrai projet... Ben, ça marchait plus parce que c'était beaucoup plus long. Alors je me reprends un bout de tissu. Je vais pas faire de culotte hein, dans ces chutes. Hein. Ça aura tout servi à faire des essais de recouvreuse. Si je le mets pas exactement, est-ce que ça va marcher ça? C'est chaud hein. Parce que j'ai pas fait la première couture là sur mon essai du coup. Alors, ouf, l'horreur, très très moche, pas bon du tout. Je
Je pense à toi, je vais coudre des poches à la recouvreuse du peignoir que je suis en train de coudre. Et toi, ça marche. Évidemment. Alors, question, je dois coudre dans un jersey une fermeture éclair invisible. Elle sera placée sur le côté. Je me demande si je dois surjeter les côtés et les coudre. Et coudre le zip à la piqueuse ou de faire à la recouvreuse. Alors, je te conseillerais jamais de coudre à la recouvreuse. Mais non, le jersey, il est pas... Il s'effiloche pas, donc techniquement tu n'as pas besoin de surfiler. Après, des fois, le surjet, ça permet d'avoir un petit peu plus de matière au niveau du bord du tissu. Et des fois, c'est peut-être plus facile de coudre si c'est surfilé. Ça dépend de l'épaisseur de ton jersey. Et après, la recouvreuse, ce serait mieux, hein. Ce serait vraiment mieux. Parce que tu garderais l'élasticité, bon, même si ton zip il est pas élastique. Techniquement, la recouvreuse, normalement, elle est censée être, c'est censé être bien, hein, mais bon. Pas la mienne. La mienne, elle sait pas coudre. J'ai envie d'abandonner, là. Faudrait au moins que je réussisse à faire la dernière emmanchure, parce que ce serait dommage, quoi. Ce serait vraiment dommage d'avoir d'avoir l'encolure et une emmanchure à la recouvreuse et l'autre emmanchure à la machine à coudre. Sinon, comme astuce, mettre un scotch sous le pied. Un scotch sous le pied. Ah, ici, tu veux dire ? Lorsqu'il y a un problème de saut de poing, cela vient peut-être de la matière du tissu. Mais c'est du coton. C'est hyper sensible à recouvrir, mais c'est ça, c'est hyper sensible. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui nous dit qu'est-ce qui ne va pas. C'est juste, y a les poings qui sautent. Ça ferait un style, ouais. C'est ça. Bon, j'aimerais au moins pouvoir faire ma deuxième couture. Est-ce que j'ai remis la tension? Je ne crois pas. Hein. Comme c'était avant. Donc là, ma tension est sur 2. La tension du pied. Donc au milieu. Comme normalement, comme ça l'était pour les deux premières coutures. Alors le tissu n'est pas du tout mal entraîné, ça glisse très bien, hein. Ça va très bien, c'est juste qu'il y a des points qui sautent. C'est des points qui sautent. En plus le pied en métal, je sais même pas où il est. Mais franchement, je trouve que le plastique, c'est vraiment bien parce que je vois exactement où je couds. Si j'avais le pied en métal, mais je serais à l'aveugle, complètement à l'aveugle, et je pourrais coudre à côté du biais, en fait. Parce que le biais, il est vraiment juste là, quoi. Donc... Elle fonctionne très bien, c'est la Euphoria de Babylock, très chère mais extra. Bon, ben voilà. En gros, si on veut une recouvreuse, il faut vraiment y mettre le prix, quoi. Il faut vraiment y mettre le prix. Moi, j'y ai pas mis le prix, j'ai mis ce que j'avais. Toutes mes économies. Bon, je suis repartie sur ce point. On verra bien. Puis au pire, il y aura des points sautés, ben je laisserai. Thank you.
En plus, à force, il y a des fils partout. Je le vois d'ici que c'est affreux. Là, là. C'est dur, hein. Je vous le dis, c'est dur. C'est moche. Là, ça va, là, ça va. Bon. Là, c'est pas terrible, mais en fait, c'est le recouvrement. C'est parce qu'il y a deux fois la couture. J'ai repris la couture du début. Le début, là, c'est pas terrible. J'ai un endroit qui a bien sauté. Tant pis, même si c'est pour ma fille, tant pis, j'abandonne. Nanou, avec les aiguilles stretch, j'ai déjà essayé hier, ça marche pas mieux. Hein. Elle fonctionne, ouais, ça, c'est ça que je voulais, une Euphoria. Ah. Bon, apparemment, l'Euphoria marche bien. J'ai oublié de changer la vue. On en revient à Babylock, mais faut faire un PEL. Ouais. Je vais encore économiser jusqu'à mon anniversaire. Ouais, ben c'est ça. C'est dur, hein. C'est une machine extra quand on peut. Je la conseille. C'est un cadeau extraordinaire. Ouais. Ok. Ok, ok. Ben je note. Écoute. Mais du coup, je sais pas trop ce que je ferai de celle-ci. Parce que c'est pas un cadeau. Je la conseille à personne. Je viens de regarder le prix de la Euphoria de Babylock. Oui, bah ouais, moi je connais pas le prix. C'est combien? Ma surjeteuse est Babylock depuis 6 ans et jamais un souci. Mais toutes mes machines, les autres machines, c'est des browsers. J'ai jamais eu aucun souci non plus. Donc voilà. C'est pas... Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de problème avec un autre type de machine. Ah ouais! Ah bah ouais, bah c'est plus cher que ma machine à tricoter les chaussettes, ça. On va faire une cagnotte pour Vanessa, oui. Bon, peut-être que je vais commencer à prendre des sponsors, hein. Jusque-là, je faisais aucune vidéo sponsorisée, c'était que des liens affiliés ou vraiment... Bah, peut-être que je vais me mettre à faire de la sponsor pour me payer ma recouvreuse. Une recouvreuse qui marche, je précise, parce que j'en ai déjà une de recouvreuse. Mais non satisfaisante. Plus cher que ma brodeuse, mais oui, parce que moi les brodeuses que je regardais, c'était pas ces prix-là. Hein. Enfin, à l'époque, parce que là je regarde plus. Mais ok. Je vois. Faire de la pub, Babylock te la donnera, oui, ben. Vu mon expérience avec la Brother, ça va leur faire plaisir, hein, si ça marche bien. Bon week-end, Céline. Près de 4 fois, moi je pense plus de 4 fois pour la mienne. Hein. Moi je crois que je me trompe peut-être. Hein. Mais je crois pas l'avoir payé 500 euros, moi, la mienne. Hein. Je me rappelle plus. Clairement, vu la taille de tes chaînes, tu peux essayer. Oui, je peux essayer. Je pense que rien n'est grave, il suffit de prendre contact. Oui, mais c'est fatigant. C'est très, très fatigant.
Parce que tu quand même, tu mets des centaines d'euros dans une machine, tu t'attends à ce que ça marche plus de 3 projets, quoi. Tu te dis pas, bon, ben, au bout d'un mois, il faudra que j'aille la réparer, quoi. Parce que moi, c'est vraiment arrivé assez vite. Hein. J'ai vraiment fait 3-4 coutures où c'était nickel. Les ourlets de mes t-shirts étaient nickel et après ça marchait plus. Elle coûte 799 maintenant, mais moi je l'ai acheté il y a un an et demi. Je l'ai acheté l'année dernière, début d'année dernière, je crois. Et elle n'était pas à ce prix-là, je l'aurais pas prise à ce prix-là. Je l'ai même que toi et je l'ai eu à presque 800 euros et je m'en suis. Et j'en suis aussi peu contente que toi. Mais moi, franchement, je crois pas l'avoir pris ce prix-là. Hein. Je regarderai, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que là, moi, je me serais pris plutôt un objectif pour mon appareil photo à ce prix-là. Je crois vraiment pas avoir payé ce prix-là. Bon, j'abandonne clairement, j'abandonne la recouvreuse, là ça me fatigue vraiment. Donc la suivante, je vais la faire à la machine à coudre en zigzag, ça marche très très bien. Il n'y a aucune galère avec le point zigzag, tout fonctionne bien, donc et ça va être fait en pouf, comme ça. Sinon, tu as un site sur Facebook où il y a des réparateurs qui t'aident en ligne. Ok, j'aime pas Facebook. Sur Coudre et Broder à Toulouse, elle est à 618 euros. Ben moi, je crois que c'est là que je l'ai acheté. Et franchement, l'année dernière, en début d'année, je pense qu'elle était moins chère que ça encore. Il me semble que je l'ai prise sur Coudre et Broder. J'avais pris quoi sur... Non, oui, c'est celle-là. Oui, je sais, mais moi, ils m'ont bien dépanné. Oui, oui. Mais je pense que ça me demande plus d'efforts que d'aller voir Brother directement. Bon allez, on va se placer sur la machine à coudre. Ah bah il faut que je range derrière pour la peine. Je te rassure, ma machine à coudre c'est une Brother ainsi que ma brodeuse. Oui, moi aussi, mais sur jeteuse et machine à coudre, c'est des Brother aussi. Il y a pas. C'est pour ça que j'y suis allée les yeux fermés sans vraiment me renseigner par rapport aux recouvreuses, tu vois. J'y suis allée, bon, ils font des recouvreuses, il y a plusieurs modèles, bon, je prends celui-ci, et voilà quoi. J'ai pas cherché. Hein. Bonjour Sylvie. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, mais il faut faire l'effort d'aller sur Facebook, c'est dur. C'est très très dur. On verra, peut-être que je ferai l'effort. Mais là tout de suite, je vais faire l'effort de retourner sur ma machine à coudre. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Pas du tout. Mais il faut que je bouge. Il faut que je bouge ma machine, ici. Un peu plus bas. Un peu plus comme ça et là c'est parfait. Hop, le petit chat à côté de moi. Bon Sylvie, j'abandonne la recouvreuse là, j'en ai marre. Donc j'ai testé tout ce que je pouvais. Là j'ai plus d'énergie pour aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Donc je repasse pour la deuxième brassière, je vais la faire avec la machine à coudre, parce que ça marche à 100%, toujours. Donc voilà, on n'a pas de questions à se poser. Partage autour des machines à coudre, des surjeteuses et brodeuses. Ok, je vais essayer de m'en rappeler. Partage autour des machines à coudre, surjeteuses et brodeuses.
Où est ma pédale? Elle est là. Alors ça marche toujours, mais il faut vérifier qu'il y ait quand même du fil dans la canette. C'est bon, il y en a. La blague. Imaginez, je coupe tout le tour et il n'y avait pas de fil dans la canette. Non mais... sauf que j'ai pas trop rien fait de réglage là. Je vais refaire comme ça, voilà. Deuxième blague, coup à l'aiguille double. Non. Non, elle marche pas bien mon aiguille double. J'y arrive pas sur cette machine. C'est la tournée de Pégase et Steph. C'est la tournée de Steph, allez. Pour se donner du courage, je finis. Ah mince, j'ai pris direct l'encolure. Bon, je finis mon encolure. C'est le plus long. Propose on s'étire. On s'étire aussi. Allez, je finis mon encolure et on va boire un coup et on va s'étirer. On fera une vraie pause. Là en plus, il y en a qui doivent peut-être avoir des pubs encore sur Twitch. Et d'un. C'est moins joli, hein. C'est moins joli, mais bon, voilà, au moins ça marche. J'ai pas de points qui ont sauté ici. Alors on va boire un coup et faire des étirements. On va se mettre comme ça. Où je vais pas tarder à rester en lurk. Ok, au pire je vous dis d'avance à lundi et je regarderai le replay du début et fin de live. Ok, en colure tu es énervé. Allez, la tournée de Steph d'avant qu'elle parte en lurk. Et les petits étirements. J'ai pris des couleurs. Je
L'orgue sans son et image surtout. Oui, mais c'est très bien. Merci parce que ça fait compter, ça te fait compter quand même parmi les viewers, même si tu n'es pas là à 100%. En plus, en ce moment, j'ai mal à l'épaule de ce côté-là. Et je crois que c'est parce que je dors dessus et je dois pas bien dormir. Sur mon épaule, là. J'ai mis de la crème ce matin. Là, je suis en leurre car je bosse, mais pas en communication, donc je t'écoute et je jette un œil de temps en temps. Merci. Mais c'est vrai que pour l'avoir fait, travailler avec un live à côté, c'est agréable. C'est agréable. Comme ça, ça te permet de faire des pauses de temps en temps, de t'étirer, de boire un coup, en même temps que tout le monde. Je confirme. Artisanat confirme. Allez, on y retourne. On y retourne. Là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ah, faut que j'arrête de rentrer dans la caméra. Remarque-moi, je regarde le live en fabriquant des étoiles en papier pour décorer le hall d'entrée de mon immeuble. Oh, trop bien! Trop trop bien! Je me sens moins seule du coup, mais oui, carrément! C'est le but! C'est le but des lives! C'est qu'on soit ensemble même si on est loin. Allez, dernière emmanchure. Voilà, vous avez vu comme ça va vite? Sans stress, et en plus, il y a tout qui marche. Je vérifie mon fil, c'est bon.
c'est fini. Enfin, c'est fini. La surpiqûre sur les élastiques, parce qu'il reste l'élastique du bas à mettre encore. C'est aussi bien la machine à coudre. Ben oui, c'est ça. Mais c'est frustrant. C'est frustrant. J'ai acheté une recouvreuse pour faire... En fait, je l'ai surtout acheté pour faire des jolis ourlets de t-shirt, parce que... Voilà, moi l'aiguille double, ça marche pas très bien sur ma machine. J'arrive pas à avoir un joli réglage et que ça soit bien extensible. Ça reste toujours tendu. Et voilà, c'est frustrant. C'est sympa, première fois pour moi, et je trouve ça vraiment chouette. Oui, c'est chouette, hein. C'est vraiment bien les lives. Bon, mais il reste plus que l'élastique du dessous, donc je vais tracer ma ligne. Parce que l'élastique, alors l'élastique non, oui si l'élastique, on va le plaquer. Est-ce que je bâtirai pas d'abord ? J'ai pas envie de bâtir, je me dis que ça glisse pas du tout. Hein. Je vais pas bâtir, je vais marquer déjà l'écart. Je vais marquer l'écart, alors avec quoi je vais marquer? La craie rose, on avait vu que ça marchait pas très bien. La blanche, je suis pas sûre. Ah, ça va le faire, allez. Donc, milieu devant. Milieu dos. Et normalement, les côtés ne tombent pas sur l'écart. Voilà, c'est bien le cas. On est obligé de marquer les côtés, entre guillemets, l'écart de côté, parce que c'est pas sur la couture côté. Le dos, il est un peu plus fin que le devant. En plus, normalement, on décale toujours la couture des côtés, elle est toujours décalée par rapport au dos. Allez. Donc là, j'ai fait l'écart. Je vais faire pareil sur l'autre. Et après, je vais faire ma ligne à 1 cm du bord. C'est la ligne où je plaquerai mon élastique. Par contre, il faut que je regarde de combien il faut que je prenne l'élastique. Ça, je l'ai pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Hop. Allez, c'est parti. Ça va être compliqué là.
On voit rien. Oh, c'est une couleur. Je vais essayer le rose. Mais le bleu ciel, c'est compliqué, hein, d'écrire dessus. C'est très compliqué. Après, sinon, j'ai la grosse craie, mais du coup, je vais réduire un peu parce qu'il y a toujours l'épaisseur de la craie qui joue. Par contre, on y voit mieux. On y voit un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas très précis. Mais on y voit mieux. À bientôt Artisana, bon week-end. Mon élastique, je crois qu'il est de 3 cm, je crois, quelque chose comme ça. C'est un élastique caleçon. Donc il est large, mais il est quand même doux. C'est quand même pour de la lingerie. C'est pas juste un élastique. Un élastique large de ceinture qu'on mettrait dans une coulisse, quoi. C'est vraiment un élastique pour lingerie. Il est bien doux. Et c'est vraiment idéal pour les brassières comme ça. Allez, la deuxième. Il est quelle heure? 4h20? Oui. Je pense qu'on peut finir. Hein. Je pense qu'on peut finir. Ce serait bien, comme ça, elle aura ses brassières ce soir. On pourra essayer. Après, c'est du sur-mesure, donc niveau taille, ça devrait aller. Hein. C'est vraiment pas précis cette craie, hein. C'est terrible. Allez, dernière partie là. Tac, voilà. Donc l'élastique, de combien il faut que je le fasse? Donc il faut que je reprenne le tour de dessous de poitrine qui est noté sur ma page Notion, qui va bien. C'est pour qui? C'est pour Raphaël. Et donc tour de dessous de poitrine 67. 67, ok. Et donc au niveau du patron, où est-ce que je l'ai? Bon, sur Dropbox. C'est basilic. Donc, c'est
Est-ce que j'ai déjà passé en archive? Est-ce que j'ai déjà archivé? Non, c'est pas dans les patrons, c'est dans les gratuits. Oui, il y est. Le livret. Donc 67. Ça veut dire que c'est en 34. Et l'élastique en 34, c'est 59 cm. J'espère que ce sera pas trop serré parce qu'elle est limite. Elle est limite. Mais c'est un élastique très très souple. Donc ça devrait être bon. Donc 59 on a dit. 59. Tac. Fois 2. Et alors, comment je le cousais? Est-ce que je fais... Oui, je le fais comme ça, ok. Avec une couture à 1 cm du bord, ok. Donc, on retourne sur la table. On va fermer ces élastiques en rond. Donc... Hop, au point droit ici. Ensuite, le petit zigzag qui va bien. Lundi, c'est sur quoi le stream? Ben justement, on va pas avoir le temps. Je sais pas si on va avoir le temps. J'ai un pantalon de pyjama à faire pour mon mari et pour moi. Donc, je voulais voir les patrons que j'avais à disposition là sur la Coupe d'Or. Je voulais qu'on regarde ensemble à la fin du live, mais je sais pas si on aura le temps. Mais voilà, semaine prochaine, ce sera pantalon de pyjama.
Hop, pouh, j'ai des fils partout. Donc, l'écart. Ah, ça y est, on a fini la playlist. On va lancer une nouvelle. C'est celui-là que j'ai noté. Non, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Moi aussi, j'ai prévu un pantalon de pyjama pour mon mari. Bon, ben voilà. Tu vas prendre quel patron, triple P? Bon, je vais prendre les... La coupe d'or, c'est le plus simple parce que j'en ai plein maintenant. Je commence vraiment à avoir beaucoup. Et on a vu que dans le dernier, le pantalon, c'est un pantalon à taille élastique. Donc, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait être bien. Bon, alors, comment faire pour... Je pense que je vais utiliser des épingles. Je vais être obligée d'utiliser des épingles. Mon problème, ça va être d'avoir la doublure qui tienne bien. Qui soit bien comprise dans ma couture, parce que sinon... Je vais mettre des épingles. Il n'y a pas grand-chose pour homme sur la coupe d'or, c'est vrai. C'est un magazine sur deux, juste une page. Mais il y en a quand même, il y en a un petit peu quand même. Et après, les hommes, il y a beaucoup moins de types de vêtements. Donc je pense qu'on peut réussir à se débrouiller. Je pense qu'ils font de sorte que sur un classeur complet, on ait de tout à coudre. En général, ils font une fois enfant, une fois homme. Oui, sur le 331. Le pantalon... C'est un pantalon à taille élastiquée, donc je vais partir là-dessus. Mais après, j'ai pas regardé les autres patrons que j'ai, donc ça se trouve, il y en a un autre qui sera mieux. Mais j'ai pas encore regardé. Alors pour triple P, pyjama Oz édition, Michael Fisher, patron gratuit récupéré. Ok. C'est un pantalon en chaîne étrable ou en jersey? Parce que moi, je vais le faire en jersey.
Je pensionne les trames, ok. Ça y est, poche, ok, ok, parfait, c'est bien. Parfait. Ta recouvreuse est magique. J'ai prévu le pyjama Orson. Ok. C'est quelle marque ça, Orson? Ah non, c'est pas sur le... Oh là là, bah du coup... Ah, il est là, ok. J'allais pas épingler au bon endroit. Mon car, il est pas sur la couture côté. En plus, ça correspond à peu près à ma doublure. Il faut bien épingler toutes les épaisseurs. Voilà, c'est mieux. Alors, mon repère, il est là. Super bison, ok. Ok, ok, je vois. Tu nous as mis une musique entraînante. Oui, j'ai changé de playlist. C'est la playlist pour faire la fête. Pour se réveiller un peu, c'est le week-end. C'est le week-end dans pas longtemps. Enfin, pour y en a qui sont déjà en week-end, mais bon... La préparation est longue pour les élastiques comme ça, mais après ça se coud. Il y a une couture à faire, hein, donc c'est un petit peu long à préparer, mais après ça se coud tout seul quand c'est bien mis ensemble. Moi je suis tous les jours en week-end, oui c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu peux faire la fête tous les jours, c'est cool. Puis en plus, là, j'utilise des épingles, donc j'y vais doucement, j'ai pas envie de me piquer. Parce que moi, je suis une spécialiste de ça, des piqûres à l'aiguille. Right around the
Pourquoi j'ai plein de fils là? Allez, et d'une, la deuxième, pareil. Alors, je vais d'abord épingler la doublure sur l'extérieur. J'ai l'édition spéciale homme, il y a quelques modèles de pyjama homme. En voulez-vous des copies? Non mais je vais regarder parce qu'en fait j'en ai aussi des trucs. J'ai pas le magazine spécial homme, mais il y en a quand même. Hein, je pense qu'il y en a pas mal. Malheureusement, on n'aura pas le temps de regarder ça ensemble. Ça va être un peu juste au niveau du temps. Mais du coup, je le regarderai ce week-end. Hein. Je vais plutôt épingler vers l'extérieur, voilà. Mon mari va avec des potes au rugby voir un match. Je vais avoir le temps de m'occuper de Caroline. Ah bah, elle est partie faire ses courses, là. Après, je sais pas si vous allez pouvoir vous voir après. Aïe. Ok, donc l'élastique. Élastique. Oui, c'est prévu, j'ai même imprimé sa notice. Oh, trop forte. Trop géniale, Bernadette. Ah, j'espère que tu vas réussir à la dépanner parce que la pauvre, ça faisait des mois qu'elle... Elle parlait de cette machine à coudre, cette machine à tricoter. Et là, qu'elle a enfin eu, elle n'y arrive pas. Bonjour Annie. On est sur la fin des brassières basiliques. Bon, c'est pas encore 100% fini. Mais c'est la dernière couture là, vraiment. C'est la couture de l'élastique en dessous de la poitrine. Quand on en est là, c'est que c'est la fin. Je ne lâche jamais rien tant que je n'ai pas trouvé parfait. Alors, tac. Et donc ça c'est mis. Ensuite le milieu dos.
Bonsoir Rumi. Plus de canettes, ah non! T'avais cousu beaucoup? Allez! On va aller coudre tout ça à la machine. Tac. En essayant de pas se piquer. Ah, j'ai failli faire tomber toutes mes épingles. Donc, moi j'ai encore du fil, mais je sais pas s'il y en aura assez pour les deux. Donc il y en a encore, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Ah, j'ai oublié d'amener le chat avec moi. Ah. Hop, ici, voilà. La malédiction des machines à coudre. Ça. Allez, c'est parti. Hop, on étire l'élastique. C'est pas le bon zigzag. Je veux. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait la couture des élastiques en rond. Bon, ça devrait aller. C'est pas le bon zigzag. Bon, allez, c'est bon cette fois. Coucou Sabine. Christmas is coming, yeah.
fil, je voudrais que tu passes hop de l'autre côté. Allez, viens là. J'arrive au bout. Ah, je me suis un peu plantée sur le côté de la marge de couture ici. Est-ce que je peux découdre le début? Aïe, 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 aïe. J'ai pas mis la marge de couture dans le bon sens. Alors je vais déjà hop planter ici pour pas que ça bouge. Je suis pas gauchère. Je sens qu'il va se passer un truc affreux. Je veux juste découdre la couture côté que j'ai pas mis dans le bon sens. En restant accroché à la machine. Parce que sinon c'est trop facile. Il y avait beaucoup moins de challenge maintenant que je suis sur la machine à coudre. Ça se fait tout seul. Donc il faut se mettre des petites difficultés comme ça. Voilà. Alors est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Du coup, on termine la couture. Où est ma pédale? Là. C'est comment? Ouh, c'est limite ici. Ça, c'était ce dont j'avais peur. Et les autres, non, c'est bon. Bon, la doublure est un peu limite ici, sur le côté. Bon, c'est pas très grave, je pense. Allez, la deuxième. Thank you.
Vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas vérifié la canette. Donc en gros, j'ai cousu 10 cm. C'est la malédiction des canettes. Méfiez-vous si vous faites de la couture en ce moment. Vérifiez votre canette. Ah, mais j'en ai marre. J'arrive pas. J'ai plus de main. J'arrive pas à tenir la canette. C'est fou. Donc, tac. Il est temps d'arrêter. Oui, mais c'est la dernière couture. C'est la dernière couture. Et vraiment la dernière. C'est la dernière couture de la dernière brassière. Canetastrophe. C'est la canetastrophe. Donc effectivement, j'en avais pas assez pour faire les deux. Bon, est-ce que je vais réussir à reprendre sans remettre les élastiques? Ça va être chaud. Hein. J'ai au moins un repère ici, le repère de là. Je vais au moins mettre ça. Après, le reste, normalement, c'est tout droit. Donc, ça devrait aller. Je vais au moins mettre cette épingle-là. Voilà. Le problème, c'est de réussir à avoir une bonne tension régulière. Donc ça va, c'était du côté où il n'y avait pas la doublure encore, donc j'ai pu le faire quand même assez facilement, de reprendre la couture sans tout épingler. S'il y avait eu la doublure, j'aurais tout réépinglé. Parce que je voulais que tous les tissus soient bien alignés. Voilà, je pensais que ce serait fini. Ben là, c'est fini, là. Regarde.
Dernière couture. Et on a fini. Ouais, tu les as fait vite, tes courses. Chris est revenu aussi. Bah écoutez, vous arrivez pile pour la fin. Voilà. Ça y est, c'est fini. Oui, comme ça me saoule de faire les couturiers, je comprends tout à fait. Ah, c'est l'heure. J'ai mon téléphone qui sonne. Bon, ben voilà. Lundi, on va faire un pyjama, bas de pyjama. Alors, soit pour mon mari, soit pour moi. Je pense que je vais faire celui de mon mari d'abord. Et le mien, ce sera après. Bon, mais voilà, moi j'ai pas le temps de couper parce que là j'ai l'alarme qui sonne déjà là-bas. Donc voilà, mes petites brassières basilic, patron efficace, bien plus que la recouvreuse. Et voilà. Bon, du coup, je vous fais vite fait un petit coucou. Bon week-end tout le monde. Merci de m'avoir soutenue pendant ces moments difficiles avec ma recouvreuse. je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Lundi, ce sera bas de pyjama, je pense pour mon mari, mais ça peut être pour moi aussi. J'ai coupé les tissus pour les deux, donc voilà. N'oubliez pas, il y a le Vlogmas qui est sorti il y a une minute. Des bisous, bye bye.